Exode chapitre 20 verset 3. Lohi Elia Elohim Aerim Hal Panea. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne me mélangeras pas avec d'autres dieux.
approchons de la fin de notre programme. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous continuez à percer, à persévérer dans ces programmes. Je vous encourage parce que nous allons vers la fin. Et je crois qu'il y a une grâce particulière que Dieu va déverser sur nous pendant ces temps. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 38. Matthieu, chapitre 13, verset 38. Je dis pour quelqu'un, mon Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le fils du royaume. L'ivré, ce sont le fils du royaume. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le fils du royaume. Livré, ce sont le fils du mal. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole. Et nous acclamons pour la parole. Nous acclamons pour la parole. Et tu vas prier que Dieu te bénisse par sa parole. Prions. Tendre Père, nous te recommandons ces instants. Parle à nos cœurs. Bénis nos vies. Affecte nos esprits. Par la puissance de ta parole. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Ouais, ton instrument. Bénis ton peuple. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hier, nous avons dit il y a trois grands éléments que l'Éternel utilise pour nous bénir. Le premier élément, c'est la saison. Dieu, s'il veut te bénir, il commence par te donner des saisons favorables. Les hommes opèrent ou sont comme des plantes. Alléluia. Amen. Toutes les plantes ne donnent pas leurs fruits au même moment. Chaque plante a sa saison. Alléluia. Il en est ainsi pour les hommes. Tel que nous sommes ici, chacun de nous a sa saison. Et que l'Éternel te donne ta saison. Ce sont les agents de la bénédiction. Des hommes et des femmes que Dieu utilise pour nous bénir. Il n'y a pas que des saisons, mais il y a aussi des hommes que Dieu utilise s'il veut nous bénir. Ils touchent leur cœur. Ils commencent d'abord par déposer quelque chose entre leurs mains. Ils touchent leur cœur. Que Dieu te donne de sortes hommes qui seront de source de bénédiction. Je dis que Dieu te donne des hommes et des femmes qui seront de source de bénédiction. La troisième chose, c'est la zone de bénédiction. Dieu les bénit. Si Dieu veut te bénir, il te conduira au lieu de l'atterrissage de ta bénédiction. Dieu ne te verra pas partout. Dieu te verra au lieu de ton rendez-vous avec lui. Si tu es absent au lieu de rendez-vous avec lui, oublie la visitation divine. Quand l'Éternel te promet la visite à sa visitation, il te donnera le lieu de rendez-vous. C'est ça la zone de bénédiction. Et nous avons dit que la zone de bénédiction, c'est tout lieu que Dieu te donne pour te mettre en contact avec ton ciel. C'est tout lieu que l'Éternel te donne pour te mettre en contact avec ta bénédiction.
La première zone qui est la plus grande zone, c'est ce qu'on appelle la ville de résidence. Ta ville de résidence constitue la zone de visitation, la zone de bénédiction. Tu es à Kinshasa, Kinshasa est ta zone de bénédiction. Et je prie ce soir, même quand tu quitteras Kinshasa pour visiter Bouba, même quand tu quitteras Kinshasa pour visiter Brazzaville, que toute cette ville-là devienne des zones de bénédiction. Ceci m'amène à ma longue. Et dans cet ensemble, nous avons trois axes importants. Le premier axe qui est une sous-zone, c'est le lieu du culte. J'ai aimé dans le Seigneur. Le lieu du culte, c'est une zone de bénédiction exceptionnelle. Dieu ne visitera pas partout. Tu n'auras pas intérêt de quitter cette église. Et tu n'auras pas intérêt de quitter cette église. Même quand tu vas à quitter Kinkolme, tu gèneras dans cette église. Parce qu'on te posera la question. Pourquoi ça ne va pas? J'ai compris. Que cette église est ma zone de bénédiction. Nous avons le lieu d'habitation chez toi. Et ce n'est pas une aïe. Là où tu habites, c'est une sorte de bénédiction. Nous avons vu des gens regretter de leur vie. Ils ont changé d'adresse. Nous avons des témoignages. Des gens qui disent que dans cette parcelle-là, quand tu entres, tu sentiras ma vie. Et il y a des esprits qui travaillent de manière différente dans les adresses différentes. Place aux familles. Et ça y a un Et ça, il y a des gens qui sont en train de se faire.
facile sa classe. Na lupango wana nzamba sala o bolamu. Pe o témoigner que lupango o depuis na kota na mona eloko amabete. Eza parce que sika wana eza lieu à bénédiction na yo na lupango wana te parce que tolo etoboki. Alléluia. Amen. La troisième zone, c'est la zone du travail. Là où tu travailles, c'est ta zone de bénédiction. Vous savez, le travail est l'une des choses que Dieu utilise pour nous approvisionner financièrement. Il t'ouvre les portes d'emploi. Et ton adresse, ton lieu du travail est une zone de bénédiction. Alléluia. Alors, ce soir, je vais partager avec vous sur un autre mystère. Lié toujours à la zone de bénédiction. Hier, nous avons dit, si tu veux profiter au maximum de ta zone de bénédiction. Mais premièrement, qu'est-ce que nous avons dit? Il faudrait que l'Éternel traite alliance pour toi. Avec la ville. Ta ville de résidence. La deuxième chose, nous avons passé le positionnement stratégique. Tu dois te placer sur le montagne de la ville pour que tu manges le meilleur que vous avez. Alléluia. Alors ce soir, je vous parlerai sur la zone de la bénédiction et le sens territorial. La zone de bénédiction et les puissances territoriales. Les villes sont gérées par trois systèmes. C'est comme Kinshasa est géré par trois systèmes. Toutes les villes du monde sont gérées par trois systèmes. Le premier système, c'est le système politique. C'est la politique qui gère la cité. La politique est un mode de gestion de la cité ou de la chose publique. C'est comme ça même la Bible dit, priez pour les autorités. Priez pour les autorités. Lorsque vous priez pour la ville, pour la formation, priez pour les autorités. C'est eux qui décident sur la ville. C'est eux qui décident sur la nation. Si vous avez des gens qui prennent de bonnes décisions, qui gèrent bien la ville, la qualité de la vie sociale du ville dépend de la qualité du système qui la gère. L'économie, la justice, la sécurité, c'est le système politique qui gère toutes ces choses. Mais nous avons une autre force, une autre puissance qui gère la cité, qui gère la ville. Alléluia. Alléluia. Ce sont les entités spirituelles. Ce sont les forces spirituelles. Les villes ne sont pas gérées par les politiques. Les villes ne sont pas seulement gérées par le système politique. Les villes sont gérées aussi par les entités spirituelles. Existent les esprits qui gèrent la ville. Alléluia. Les principautés, les dominations, chefs de peuple et de ville, les choses qui vont arriver, le cours des événements, et beaucoup de choses qui vont arriver dépendent aussi de l'exercice des opérations ou des opérations des entités spirituelles qui gèrent ces villes. Parmi ces esprits, il y a ce qu'on appelle le pouvoir coutumier. Il y a encore d'autres puissances qui gèrent les villes. Le troisième système qui gère de vie, c'est la spéculation, le rumeur, les ondits. Alléluia. Les villes sont gérées aussi parce que les gens développent comme des spéculations, les ondits. La ville de Kinshasa n'est pas seulement gérée par des esprits, mais pas seulement gérée par les autorités politiques. La ville est gérée aussi par ces gens. Et du coup, ça devient un système.
à Kinshasa pour devenir, pour être dans une entreprise, pour devenir cadre, il faut être homosexuel. À Kinshasa, pour avoir un travail, il faut avoir quelqu'un qui va t'épargner. Vous voyez, dans telle entreprise, tout le monde, tous les directeurs sont le pays. Tu crois ça déjà une force. Ça souffre dans la vie. Et tout le monde en fait une excuse. Pourquoi tu n'as pas d'emploi? Parce que je n'ai personne pour me pistonner. Parce que j'ai refusé l'occultisme. D'abord, on ne t'a jamais même proposé l'occultisme. Pourquoi tu n'es pas devenu directeur? C'est parce que j'ai refusé d'être homosexuel. Mais jamais un homme t'a dragué. C'est-à-dire que les gens commencent même à croire qu'il ne peut pas arriver. Parce que il y a un système qui nous gère. Même dans nos églises, un pasteur qui n'évolue pas, un ministère qui n'évolue pas, l'homme de Dieu a aussi des excuses. Pourquoi ton ministère n'évolue pas? C'est parce que j'ai refusé l'occultisme. Et on dirait que même pour prospérer dans le ministère, il faut être occultiste. Qui a dit ça? Le Kimo. Balobi. Beaucoup de gens quitter la vie sans savoir le pourquoi. Deux mamans se chamaillent à Zambo. Nous devons quand on dit que la Chino va au Kunda. Boudi Yapon va pour Zambo. Et les gens commencent à fuir comme ça, Zambo Pekaman. Balobi. Et c'est comme ça que les villes sont gérées. Alléluia. Mais moi, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la qualité du système politique qui gère cette ville, qui gère cette nation, toi, tu es exception. Frère, que les Italiens viennent ou pas dans cette ville, toi tu es une exception. On peut dire amen, ça va pas. Nous ne dépendons pas des systèmes qui cherchent les nations. Les esprits qui gèrent la ville. Que ces esprits décident de ce qu'ils vont faire. En 2018, j'ai pris que toi tu es une exception. Que dans cette ville, il n'y a pas des entreprises chinoises qui prospèrent. La plupart des grandes entreprises qu'on a eu dans cette ville, les Congolais ou les Chinois ont fini par fermer, ne pas être vendus. On dirait que les Chinois sont condamnés à ne jamais devenir riches ou prospères dans les affaires. Mais moi je prie que toi tu sois une exception. Tu deviendras riche sans toucher au fétiche. Dans ton entreprise, tu deviendras directeur sans devenir. Tu deviendras sans devenir. Je dis, tu deviendras sans toucher. Tu deviendras sans toucher. Tu deviendras sans toucher. Alléluia. Que tu le veux ou pas. Nous sommes des compétiteurs. Chaque jour, nous sommes en compétition avec notre camp. Thank you.
et la nuit, un autre semeur est venu semer la mauvaise semence. Et le lendemain, les travailleurs du champ sont venus voir le champ. Ils sont partis vers le maître du champ pour dire: maître, n'as-tu pas seulement semé le blé? Bien sûr. Et nous venons de voir maintenant qu'il n'y a pas que le blé qui pousse, mais il y a aussi l'hiver. Permets-nous d'arracher l'hiver. Le maître a dit: laissez les croître ensemble. Maintenant, regardez au chapitre 13, verset 28. Les disciples posent la question au maître. Maître, explique-nous la parole. Et dans chaque territoire, il y a deux camps. Il y a le camp des enfants de Dieu, où il y a deux races. Il y a la race des enfants de Dieu, et aussi la race des fils du malin. Alléluia. Dans cette ville, il y a les enfants de Dieu. Donc c'est les enfants du mal. Dans votre quartier, dans votre famille, même votre famille, dans le champ de votre famille, il y a deux races de sémence. Il y a le fils de Dieu et aussi le fils du diable. Dans votre famille, dans votre commune, dans votre ville, il y a deux races. Il y a le fils du mal et aussi le fils de Dieu. Alléluia. Et dans cette compétition-là, le monde des ténèbres est conscient de la compétition. Vous devez savoir, là où tu travailles, tu ne connais pas le nombre des occultistes. Tu ne connais pas le nombre des sorciers. Mais laisse-moi t'informer. Et ils connaissent le nombre des chrétiens. Ils connaissent le nombre des enfants de Dieu. Les sorciers de ta famille, ils connaissent le nombre de chrétiens vrais de votre famille. Mais toi, tu ne connais pas le nombre de vrais de ta famille. Sur ton avenue, on s'est un champ. Nous vivons dans un environnement de compétition. De deux camps. Et le monde des ténèbres est en train de produire ou encore d'élaborer plusieurs stratégies pour gagner dans cette compétition. Alléluia. Le monde des ténèbres les stratégies du royaume des ténèbres dans le combat de la foi ou contre le christianisme. Je vais vous parler sur les stratégies du royaume des ténèbres dans le combat de la foi ou encore contre les stratégies du royaume des ténèbres contre le christianisme. Première stratégie. Comment combattre le christianisme? Chapitre 37, en 3, verset 12, jusqu'au verset 14.
Alléluia. Psaume 73, 12 à 14. La Bible dit, ainsi sont les méchants. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Ils croissent leur richesse. Vous voyez la stratégie. Et les chrétiens voient. Et ceux qui sont dans le péché, ils croissent. Ils prospèrent. C'est une stratégie. Que pour prospérer, il ne faut pas seulement prier. Les gens qui ne prient pas, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est donc enfin que j'ai purifié mon cœur.
Qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Tant qu'on nous gagne en observant ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des âmes, avons-nous gagné? Toi qui sers Dieu, qu'as-tu gagné? Verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 15? Tu peux lire avec moi? Amen. À votre pouvoir, on y va. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Démontrer aux chrétiens que c'est en vain de servir Dieu. C'est en vain. Troisième stratégie. Le monde du royaume des ténèbres contre le christianisme. Troisième stratégie du monde des ténèbres contre la foi chrétienne. Démontrer aux chrétiens que le Dieu de la Bible est dans l'histoire et non dans l'actualité. Montrer à ces gens-là que le Dieu de la Bible est dans l'histoire et n'est pas dans l'actualité. Juge chapitre 6 verset 13. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? La présence de Dieu. Si tu étais avec nous, pourquoi est-ce qu'on a refusé mon dossier? Si tu es réellement avec moi, pourquoi est-ce que je ne marie pas? Si tu es avec moi, pourquoi pas ceci? Si tu es avec moi, pourquoi pas cela? Pourquoi seulement moi? Pourquoi de telles choses m'arrivent? Sous la présence de Dieu. Je le sais, tu es avec nous. Pourquoi ça? Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu es avec nous? Il continue, il dit: et où sont toutes les prodiges que nos pères nous rencontrent? Quand il dit: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Où
où sont ces prodiges? Les prodiges sont dans l'histoire et non dans l'actualité. C'est comme ça que même le chrétien peut conclure que Dieu n'agit pas aujourd'hui comme au temps de la Bible. Je crois en Dieu, mais il n'agit pas aujourd'hui comme au temps de la Bible. C'est une stratégie de mon Dieu. Je vais prier à la mort, il va penser. Je vais le gêner, il va penser.
maison. Ima quitte la maison. Il rencontre Ima. Mais maman, pourquoi tu n'es plus avec Abba? Elle te dit parce que je lui ai demandé 10 dollars, il ne l'a pas donné. Où est fini? Maman, capona 10 dollars. Capona 10 dollars. Ce n'est pas une raison de laisser son mari. C'est comme ça que je dis à quelqu'un. Alléluia. Ah, je me vois encore un jour avec mon épouse le matin. Elle avait besoin d'argent. Elle a parlé en français comme elle voulait. J'avais rien. Je sors, je trappe quelque chose. Je rentre, je lui prends de l'argent. Plus que ce qu'elle m'avait demandé. La même qui parlait de français. C'était chérie. Elle a oublié que c'était une urgence depuis le matin. Parce qu'elle disait, c'est une urgence. Je ne vais pas donner. C'est la 12 et la Koufaki. La 14 et la Koufaki. L'urgence à l'Okuta. Moi, il a besoin de même à combattante. Parce que même si tu n'as pas eu la 12, tu ne mourras pas. La femme pose des problèmes au mari dans sa chambre. Le mari ne dit rien. Le mari ne dit rien. Elle sort, elle entre dans ta voiture. Donne-moi si. Ensuite, elle est folle. Elle peut s'attendre. Oh, wow. Ensemble, la masse au canard. Tu prêches Jésus. On te propose autre chose. Change aussi le message. Prêche les diables. Maintenant on va te dire, prêche la même chose. Prêche ton Jésus. Prêche ta Bible. On te propose autre chose. Ça c'est aussi une stratégie. C'est comme ça beaucoup de gens ont double vie. Il tient à l'église, mais il fait aussi autre chose. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si tu veux qu'un homme t'épouse, laisse-lui ton corps. Refuser de donner ton corps, il risque de te laisser. Oui, on te propose autre chose. On te propose autre chose. Si ça traîne, cherche un mari qui va te faire des enfants. On te propose autre chose. Prêche Jésus. Mais touche le fétiche. Si tu veux avoir 1000 personnes, si tu veux avoir 2000 personnes, si tu veux avoir 1000 membres, 100 000 membres, 20 000 membres, prêche Jésus, on te propose
autre chose. On se propose autre chose. En 2010, on devait faire la délivrance d'une sœur qui prie dans une grande église de cette ville. Ce qui m'avait frappé, étonné, je crois que mon épouse connaissait l'histoire, ce qui m'avait étonné était que cette femme, cette fille était promise à l'église. Elle aura l'église, elle avait aussi une autre sœur choriste qui changeait les véhicules. Elles étaient des amies. Et toutes croyaient que c'était Dieu qui bénissait cette femme. Parce que pour elle, c'est une grâce exceptionnelle. Avoir toujours de bons boulots, avoir de meilleurs enfants, avoir de véhicules et tous ces matériels. Un jour, cette sœur a dit à son ami, viens, tu m'accompagnes, c'est la personne qui m'a aidé. Ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un homme de Dieu. Ils sont arrivés à l'UPN. Quand ils sont arrivés, l'homme a dit, allez à Kinshuka, donnez-moi cette pierre dans l'eau. Et venez avec, on va, je sais ce que je vais faire. J'étais étonné de dire, pendant ce temps, tu continuais toujours à chanter pour moi. Même aujourd'hui, aide-moi et mon ami. Nous sommes à la chorale. Nous, on croyait que c'est Dieu qui t'a béni. Mais il y a autre chose. C'est comme ça, même à l'église. N'oubliez pas la bénédiction de certaines personnes. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui ont su autre chose. Elle vient à l'église parce que c'est une éducation. Elle vient à l'église parce que c'est un rythme du moment. Elle vient à l'église parce qu'elle aime les choses de Dieu. Mais au-delà de tout ça, il y a autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que la prière ne suffit pas. Il faut autre chose. Dans cette église, il y avait un frère qui était fiancé. La tante du frère parlait bien avec sa fiancée. La fiancée de son mari, de son neveu. Dans cette église-là. Et la tante du frère a dit à la sœur, il faut aller au soukolaïo. Il y a du mal sur la main de la vie, il ne faut pas soukolaïo. Il faut quand même mon saranza, mais il ne faut pas soukolaïo. Pas soukolaïo, ouais, prenez-moi mes mains. C'est pas moi. Massina, je connais quelqu'un là-bas à Soukou. Un homme m'a bêté. Un homme qui s'y dit à qui me dit, il faut qu'à Bassou. Bassou, la mani, Bassou, la mani, Bassou, la mani. Elle l'a refusé, mais combien ont accepté? Elle est à l'église. Elle prie Dieu. Elle chante pour Dieu, mais Bassou, la mani. J'ai Dieu, mais aussi autre chose. La mani, ma famille. La mani, ma bêté. Et à qui me dit, alléluia. Prie Dieu. Et tu dois savoir que ça ne suffit pas. Il y a aussi autre chose que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que tu verras dans certains points de la vie les mêmes personnes que tu vas voir la nuit dans des terrasses, des bars et du bois de nuit. Ce sont les mêmes personnes que tu verras. Que tu verras à l'église. Non, les gars, mon bébé. Les gars, mon bébé, la croix de lui. Les gars, mon bébé. Les gars, mon bébé. Nous voulons envoyer la vie, mais c'est ce qu'on a fait dans le temps pour la rater. Il faut poser des dames. Non, moi, si ça va plus, ça va faire à Kinshasa, je suis stressé. Autre chose. Regardez ce que Dieu dit, nous sommes dans Deutéronome 13, verset 6. Deutéronome 13, verset 6. Est-ce que je peux lire pour quelqu'un? Je peux lire pour quelqu'un? Écoutez ce que la Bible dit. Ici, il parle aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est le seul peuple de l'histoire qui est monothéiste. De toute l'histoire, un peuple monothéiste. Un peuple comment? Il connaît qu'un seul Dieu. Mais regardez ce qui se passe. Dieu dit, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, en disant, allons et servons d'autres
Dieu. C'est-à-dire Dieu sait. Même parmi le peuple monothéiste, il y a des gens au-delà de Dieu qui font autre chose. Et Dieu dit, si ton fils, que sa mère arrive, que ton fils te dise maman, il y a autre chose. Il dit, si ta femme, donc ceci possible, que ta femme te dise, il y a autre chose. Ton mari aussi peut le dire. Ton oncle. Il dit, même l'ami qui t'aime beaucoup. Autre chose. T'hésite secrètement. Pourquoi c'est secrètement? Si c'est bien, pourquoi c'est fait en secret? Je bénis le Seigneur pour le chien. Ils le font devant tout le monde. Parce que pour le chien, ce n'est pas un péché. Alors ils vont démontrer que ce n'est pas un péché. On va le faire devant tout le monde. Combien le chien? Si toi aussi tu crois que ce n'est pas bon, et c'est bien, fais ça devant tout le monde. Pourquoi tu te caches quand tu le fais? Tu manges en public. Mais pourquoi tu fais autre chose en secret? Tu danses en public. Tu pries en public. Tu chantes pour Dieu en public. Il y a des choses que tu fais, personne ne voit. Si c'était bien, pourquoi tu le fais en cachette? Autre chose. Autre chose. Il dit en secret, il dit allons vers notre Dieu. Le Dieu est dit, toi qui tes pères, ton oncle, en avait connu. Même Dieu le sait. Et parmi mon peuple, il y a de ceux qui ont découvert autre chose. Et qui peuvent aussi inciter les autres à le faire par compassion et par amour. On nous va vivre, nos camarades, dans la vie. Donc, servez-le. Mon cher Alma, lui-même, l'ami qui t'aime comme lui-même. Vraiment, si je le fais, je le fais par moi. Ça, je ne fais pas pour toi. Je ne fais pas. Moi, je ne peux pas accepter de ta vie. Démontrer, c'est l'antiquité de la guerre. Nous allons démontrer au monde.
Histoire de vie dans le sud, la vie, 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 la